J'ai 368 ans. Et madame aurait eu 55 ans aujourd'hui. J'ai vu passer des visages durant toutes ces années, autant de maîtres et de maîtresses, sans oublier tout le personnel qui a pris soin de moi. J'ai vu les grandes heures, les heures tristes, j'ai entendu les rires, les pleurs, j'ai été témoin des rêves les plus étonnants, les plus désespérés, mais aussi les plus prometteurs. Oh oui, j'en ai vu. Mais la maîtresse que j'ai le plus aimée, c'est madame. Parce qu'elle seule a su comprendre toute la magie qui m'habite et les trésors que je protège dans mes murs. Mais madame nous a quittés trop tôt. Depuis, je sens que la magie s'étiole, les rires s'éteignent, les rêves se meurent. Madame aurait eu 55 ans aujourd'hui. J'ai 368 ans. Et comment garder espoir ? J'ai 368 ans et je suis le manoir des songes. Pour la première fois, je n'ai ni maître ni maîtresse. Et aujourd'hui, les trois belles filles de madame se sont invitées. Mais elles ne sont qu'insouciance, leurs rêves sont dépourvus d'enchantement. Elles n'entendent pas la poésie des lieux, comme madame. Et elles ne pensent qu'à s'amuser et elles ne veulent que du glam. Let's get glam.
Ça vient de Maître Jack Elvis Grimms. Suite enquête, détective, stop. Suis heureux, annoncé, arrivée imminente, héritière Madame Stop, lui est remis clé domaine, stop. Ne lui reste que 2 jours pour accepter ou décliner héritage, stop. Après quoi, projet parking mairie activé, stop. Mesdemoiselles, on ne perd pas une minute. Vous me briquez ce manoir de fond en comble, sans oublier la chambre de madame, naturellement. Nous sommes ravis de vous accueillir au manoir des songes. Avez-vous fait bon voyage, mademoiselle? Vu l'heure tardive, j'imagine que vous devez être lasse. Oui, en effet. Je ne souhaite pas m'attarder. Merci de m'accompagner à ma chambre. Si vous le souhaitez, mademoiselle, nous vous apporterons une collation. C'est parfait. Nous nous verrons demain matin. Pour mener à bien les affaires qui m'amènent.
Bien, mademoiselle. Au nom du personnel du Manoir des Songes, je vous souhaite une bonne nuit. Atomise les deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve, Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, des vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Comme si c'était tout comme dans les prières qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougère, de foudres et de guerre, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say, who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be.
If we met at midnight in the hanging tree, are you coming to the tree? Where dead man called out for his love to flee. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? I told you to run so we'd both be free. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight. Génération de visiteurs, que vont pouvoir me raconter les siens? Quels sont donc les méandres de son inconscient? It's where we'll be.
I'm odd to you, I'm odd to you, odd to you, you must be odd to me. Démodé, pas démodé, vous savez, hein. La mode et la musique, c'est identique. On peut créer sa petite musique de chambre soi-même. Et c'est pour ça que je trouve que mode et musique, pas parce que ça commence tous les deux par un M, c'est des choses qui vont très très bien ensemble. Parce que la musique aussi, elle exprime son époque. Qu'est-ce que vous pensez de l'époque baroque s'il n'y avait pas la musique baroque ? Les rondos vénitiens, non ? Un point c'est tout.
voilà enfin une personnalité bien intéressante. Je vois que mademoiselle a déjà rencontré notre Karl bien-aimé, un convive passé qui oubliait quelques rêves dans nos murs. On laisse un peu de soi-même en toute heure, en tout lieu. Tous les beaux rires des enfants qui sont passés ici résonnent encore en moi. Je me souviens parmi eux d'un petit Italien, Antonio, qui rêvait des quatre saisons jouant ensemble. Fameuse nuit de Joséphine, tiraillée par ses passions et ses devoirs. Mais quelle femme! Et c'est dans ses rêves qu'elle trouvait la réponse à ses tourments. Son équilibre et sa force, c'était l'amour, brillant tel un diamant. We'll be right back.
comme disait Joséphine. What did you expect? Ce n'est pas comme Evie qui se posait moins de questions. Depuis sa plus tendre enfance, cette épicurienne jouissait de tous les plaisirs de la vie, même dans ses rêves les plus secrets. Should wear a warning, it's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait, I need a hit, baby give me it. You're dangerous, I'm loving it. Spinning round and round,
addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me. Déjà 4 heures. Ça me rappelle ce bon vieil Albert qui trouvait que le temps était bien relatif. C'est vrai qu'à mon âge, je peux vous dire qu'il avait bien raison. Put me back in.
a trance. I don't want nobody else but you. Fully back in a trance. Du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Oh, 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 oh. On se calme, on n'en est pas encore là, tout va bien. Qu'elle poursuive sa nuit, je vais la reconduire vers le tunnel des rêves. We'll be right back.
Arnold et ses rêves futuristes. Comme toute la technologie moderne, ses rêves finissaient toujours par bugger. Mais bon. Je me souviens qu'à chaque fois qu'il me quittait, en se tournant, il me lançait « Hasta la vista, baby ! Baby ! Baby ! Baby ! » Yeah.
manoir. Crois-tu qu'elle va accepter de vivre dans tes murs? Si étrange. Oh, je sais qu'elle a été acceptée par tous les rêves de nos visiteurs passés. Alors, elle est digne de succéder à madame. Après une nuit comme celle-ci, je n'ai plus aucune hésitation. J'ai le sentiment d'avoir été adoptée par le manoir et son atmosphère étrange. Je contacte immédiatement Maître Grims. Alors, fait-on cela sans plus attendre. Que tout le personnel se présente et que les rêves se joignent à nous. J'ai 368 ans et de belles années devant moi. Madame en aurait été très heureuse. Thank you.
c'est pas.